À grand propos, la fête du 10 janvier a été célébrée. Covid-19 oblige, les grands rassemblements sont interdits. Néanmoins, la partie culturelle de la fête a été respectée devant ses dignitaires et adeptes du culte vaudou, conduit par le président national de la CNCVB Racine, Adanyoro Agasa Gedenge. Le député d'Akpesosu a plaidé pour la paix au Bénin. L'élu UP de la 18e circonscription électorale et grand initié au vaudou a aussi demandé des prières à l'intention du président Patrice Talon. Les manifestations cette année se sont réduites à une simple expression, c'est-à-dire que tout simplement c'est les prières que nous avons pu faire ce matin à Grand Popo. Déjà le vendredi, nous étions ici avec tous les présidents communaux du culte vaudou, tous les présidents d'arrondissement de culte vaudou, et une première prière avait été déjà faite. Mais aujourd'hui, c'est la prière nationale. Je voudrais remercier tous les dignitaires, qu'ils soient à Grand Popo ou ailleurs, et qui ont prié pour ce pays, qui ont prié également pour le président Patrice Talon, qui ont prié pour des élections apaisées. L'édition 2021 de la célébration de la fête des religions endogènes à Grand Popo a été sobre à cause de la pandémie du coronavirus. Et les prières ont été faites pour tous les Béninois. Je remercie vraiment les dignitaires qui se sont mobilisés pour souhaiter des élections apaisées et qui ont souhaité, vu ce que fait jusqu'ici le président Talon, qui ont souhaité donc que le président Talon continue sur sa marche, sa vision, sur son affirmation de sa volonté de développer ce pays. Je reviens dire vraiment une grande satisfaction aux agents de police républicaine qui vraiment ont su cadrer les choses, sinon à Grand Popo, on ne pourrait pas contenir. Vivement que les diverses prières et bénédictions formulées à Grand Popo jaillissent sur tout le peuple béninois.